Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de Detroit Become Human. Donc on a fini l'interrogatoire, on va continuer avec, je pense, l'histoire de Kara. Je pense. Qui ont fui après que Todd ait voulu les tabasser. Ouais, c'est Kara, c'est Kara. On avait fui en bus après que Todd ait voulu nous tabasser. Et je l'avais pas tué, hein, c'est ça. J'avais recommencé la sauvegarde parce que je trouvais que le jeu n'était pas logique sur un point et du coup on a réussi à fuir sans tuer Todd. Donc c'est très bien. Allez, terminus. Le terminus? Ouais, vous pouvez pas rester là. Sortir du bus, évidemment. Écoutez, on n'a nulle part où aller. Elle est épuisée et il pleut des cordes. On ne peut pas rester un peu ici. Ce bus retourne au dépôt, je ne peux rien faire pour vous. Je vais arrêter de parler pendant une minute. Désolé. Ça va aller? On trouvera un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. Burger. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit? Quel connard. Magasin. John's Coffee. Ah non. Un café, pourquoi pas. Une laverie. Un motel. Il faudra de l'argent. Confortable mais pas discret. Ah, c'est un magasin, ok. $40, mais j'ai pas d'argent sur moi, c'est ça? Je sais pas. Merde. Ah, no androids allowed. Ok.
Ah, mais il y a une laverie en face. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Y a pas des vêtements qu'on peut... Ouais. C'est pour ça que je venais. On peut changer de vêtements ici. La fin du buzz. Hein? Les abeilles pollinatrices sont officiellement disparues. Oh putain. Blablabla. Catastrophe aura des répercussions sur l'industrie du coton. Ils essaient de créer des abeilles androïdes. Bon, logique. Ça ressemble à Black Mirror. La musique, à nouveau sur le devant de la scène. Ah oui, putain, des concerts en VR. En réalité virtuelle. Bon, si vous voulez lire, mettez pause. J'ai pas envie de lire, j'avoue. C'est pour débloquer le trophée là où il faut tout lire. Y a pas des habits. Ça va? On peut pas lui parler? Non. Il ronfle. Ah, il dort! Ah, peut-être que sa machine va se terminer du coup et je pourrais lui voler ses habits pendant qu'il dort. Ça. Programme complete. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas nos vêtements. On s'en fout. On a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. On peut pas faire ça. Je suis déjà dans la merde pour vol d'enfants, donc à partir de là. J'espère qu'elle va pas m'en vouloir. Oh putain, elle m'en veut. Ah oui, il y a une autre. Oh putain. Ok. On part vite. Elle va m'en vouloir, mais... Qui se réveille pas par pitié. Oh, classe. Classe le bonnet. Ok, parfait. On peut partir. Vas-y, pars vite. Ok. Oh, on aurait pu peut-être lui voler de l'argent, je sais pas. Parce que du coup, il me faut de l'argent pour le motel, on est d'accord. Parce que du coup, il y a marqué le Android interdit, mais... Attends, y'a un camion poubelle là-bas. Comment est-ce qu'on pourrait voler de l'argent? Merde. Tu es frigorifié. Ça va, j'ai pas trop froid.
Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Il y a un magasin là, on va peut-être demander de l'aide. Le magasin est encore ouvert, on devrait peut-être rentrer. Au moins tu seras au chaud. Je vais demander de l'aide. Je peux vous aider ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Écoutez, vous êtes dans une supérette, madame, pas à l'armée du salut. Je vais pas me mettre à filer des sous à tous les clodos du quartier. Oh. Voilà l'étalage, trouver un plan. On pourrait voler des trucs, genre de la bouffe. Une pince. Des marteaux. Ça servira à rien, on s'en fout. À part pour attaquer le mec, mais j'ai pas envie de le tuer, donc on va éviter de prendre les... C'est quoi ? Des cookies, mais... Non, ça sert à rien. Oh ! Du jus de salade ! Oh ! Ça a débloqué quelque chose, pourquoi pas. Prendre... Ah, une peluche. Ah, pour... Je peux voler, là? Il me regarde pas. Est-ce que je le fais? Est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas de capteur à la fin du truc, ok. On va essayer. Pour elle. C'est pour Alice. Ok. Utiliser Alice pour diversion. Où est Alice? Ah oui, vas-y, 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 Alice. T'es où, Alice? On est obligé là, on est obligé, j'ai pas envie de dormir dans un parking. Tu vas bien? Tu t'es fait mal? Ouf, il m'a fait peur. Merde. Oh, elle a bien fait de se cacher. Putain, il a vite remarqué quand même. On a de l'argent maintenant. Tu t'es servi de moi pour voler de l'argent. Comment t'as pu? Je te faisais confiance. C'est vrai. J'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée, je recommencerai pas. Ah putain, j'ai fait le mauvais choix. On va aller au motel. J'ai de l'argent, je ne suis plus considéré comme une androïde.
Mais on sera... Mais c'est pas discret, mais... Franchement, je vais penser au confort d'Alice avant tout. Avant la discrétion, je vais penser à son confort. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera $40 d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Je peux voir votre permis de conduire? J'en ai pas. Dans la voiture, permis oublié. C'est qu'on est parti vite. Je crois que je l'ai oublié à la maison. Pas de soucis. Ouf. On pourra voir ça demain. Ouais. Ah, j'ai peut-être plus de chaud. Bonne nuit. Qui t'a cru ou pas? J'en sais rien, Alice. Mais on va être bien au chaud cette nuit. Numéro 28. C'est à l'étage, j'imagine. Ouais. Je t'ai acheté un nounours. Allez, donne-moi ton manteau. Quoi, on peut faire quoi là? Ah, regardez. On va enlever tes vêtements. Ils sont trempés. Je les mets à sécher dans la salle de bain. J'ai même pas fait exprès de les mettre là, mais... Je veux lui donner le truc, mais... Pourquoi il m'a jamais aimé? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime.
on pouvait pas être heureux? J'en sais rien. Tu me quitteras jamais. Promets-moi de jamais partir. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. Il faut dormir maintenant. Je vais éteindre la lumière, d'accord? Éteins son doudou. Je lui ai acheté un truc. Ah. Bon, fais pas la surprise, elle l'a vu. Regarde ce que j'ai pour toi. Ok. Ok, ok. Wow, il y avait 10 milliards de trucs à faire. Des milliards de... Ah ouais, boah, tout ce qu'il y avait à faire. Bon, après, c'est normal. Genre, c'est choisir où dormir. Examiner le motel. Donc, on pouvait dormir aussi dans le truc qu'on avait vu, là, dans le grillage. Ou... Oh, dans le supermarché, j'ai loupé des trucs. Ah, c'est si on se fait repérer, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, si jamais j'avais gardé ma première sauvegarde où j'ai tué Todd et que j'avais le pistolet, est-ce que ce serait servi du pistolet dans le supermarché pour tuer, pour braquer le magasin? Très intéressant. Il faudra bien s'allumer. Fugitive Détroit. Arborescence. Juste pour voir c'était quoi les fins possibles. Nuit passée dans le motel. Nuit passée dans la voiture abandonnée. Ok, j'ai pas vu du tout de voiture abandonnée. Nuit passée dans le squat. Ah bon? Dans le squat. Ok. Bon, ouais, on pouvait dormir. Mais ça change rien, quoi, non? Attendez. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Oh putain. Ouvrir l'image. Ouvrir dans un nouvel onglet. Ah voilà. Donner le jouet. Cara dort près d'Alice. Ok. Donner le chocolat. Donner le jouet. Ah, on pouvait voler du chocolat. Ah, c'était du chocolat, pas des cookies qu'on pouvait voler. Ok. Ok, donc en fait ça aurait rien changé, je pense. Ok, non mais intéressant. Ok, bon, c'est un bon chapitre, il y a plein de trucs possibles. Je sais pas si le choix de parce qu'au début il disait que le motel c'était pas discret, que le squat il était discret et voilà, mais bref. Bon, mais sur ce, à la prochaine, on se laisse.
je vais continuer de suite. Et à la prochaine.